Bonjour tout le monde, bonjour tout YouTube, yo. Je suis Laurent Lamothe. Tout le monde me connaît comme l'ancien premier ministre d'Haïti, mais très peu de gens me connaissent comme un entrepreneur, un homme d'affaires et un pionnier de l'innovation en Afrique et dans les Caraïbes. En 98, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai créé la société Global Voice Group avec mon partenaire. Et ainsi, nous avons réalisé un rêve que très peu de gens connaissent. La possibilité pour un Haïtien de réussir, non pas en Haïti, non pas en Amérique, mais en Afrique, notre continent mère. Nous avons créé la première société avec des fondateurs haïtiens d'origine à percer dans le continent d'Afrique. Nous avons réussi à travailler dans 45 pays, dans principalement la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et pour vous faire savoir qu'il n'y a qu'une semaine, la société gagnait le prix de la société de l'année par Africa Tech Week Magazine. Aujourd'hui, j'ai voulu, à travers ce channel YouTube, partager avec vous cette expérience pour discuter de la technologie, qui est un vecteur pour éradiquer les problèmes que confrontent plusieurs pays émergents à travers le monde, y compris notre cher pays Haïti. Nous voulons contribuer avec cette émission à éduquer notre jeunesse assoiffée de savoir et d'écouter des formules positives de réussite, de succès, non seulement de mon pays, mais aussi pour la jeunesse africaine, pour comprendre que la réussite passe nécessairement par l'éducation et, bien entendu, par l'entrepreneuriat. Et consiste à adopter, à comprendre et à s'éduquer surtout dans un domaine global et à portée globale. Pour rechercher des solutions dans la nouvelle technologie, pour mieux comprendre les crypto-monnaies, car le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde interconnecté, où les petits pays ont beaucoup plus de chances que jamais de réussir et de se mettre au niveau des grands pays industrialisés via cette technologie. Et dans cette optique aujourd'hui, nous allons partager avec vous, avec la très honorable Naomi Blémur, qui va partager cette émission avec moi, cette vision de monde technologique qui apportera un monde plus juste et plus égalitaire et beaucoup plus libertaire. Et ce sera l'opportunité de servir à partager nos connaissances et celles de nos invités qui seront des experts dans leur domaine, à discuter de ces sujets tant intéressants dans différents domaines qui aujourd'hui font la une dans tous les médias, que ce soit le métaverse, le NFT, les crypto-monnaies, le Bitcoin. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau. Et il faut bien comprendre ce genre de technologie et se mettre à niveau pour réduire les incompréhensions, discuter, partager sur ces sujets, parce que le monde et l'opportunité est aujourd'hui et est maintenant. Donc, mettons-nous au travail pour mieux comprendre comment avancer. Et ceci donnera l'opportunité d'échanger, de poser des questions avec les invités par WhatsApp, sur le live chat de YouTube. Et bien entendu, sera l'opportunité pour nos invités experts de partager leurs connaissances. Et aujourd'hui, très certainement, vous allez découvrir des Haïtiens qui ont réussi dans leur domaine et que personne ne connaît nécessairement. Donc voilà, c'est ça, cette émission qui sera aussi en créole, en anglais, en espagnol. Et nous encourageons tous à commenter et à partager vos opinions, vos recommandations sur Twitter et sur YouTube. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc, je salue tout le monde encore et je vous pour m'introduire nous. J'aime bien dire la très honorable Naomi Blémur, un monde que je remercie en pile, premièrement, aux amis, qui a évolué dans un domaine particulier ici aux États-Unis, qui c'est le domaine de la comptabilité internationale. Et Naomi sont influencer, Naomi sont femme vaillante, sont femme
son femme qui a la portée de la technologie et son monde que m'apprenne à apprécier en pile. Journée aujourd'hui, Naomi pral animer et nouveau style de choses ça que nous pral faire qui pral parler de tout ça positif. Et Naomi lui-même, lui gagne plusieurs entreprises, son entrepreneur à succès et c'est pour ça que moi t'ai voulu inviter pour partager succès que lui gagne aux États-Unis et que pour l'aider nous tout animer émission ça que nous pral parler. Nous allons commencer avec les crypto-monnaies. Donc, Naomi, et premièrement, je voulais remercier vous et de l'opportunité que nous allons faire ensemble. Nous allons faire et aventure ça ensemble. Et maintenant, tout ou même qu'on parle de vous, ok, pour que nous puissions comprendre qui est-ce qui est Naomi Blémio. Merci Laurent, merci tout le monde qui branché, merci pour panel que nous gagnons après-midi ça. C'est un plaisir pour moi là. Non, moi c'est Dr Naomi Blémio. Moi c'est un entrepreneur, un comptable et un écrivain qui vit dans le sud de Floride. C'est un plaisir pour moi là après-midi ça avec nous. Nous parlons apprendre ensemble, nous parlons découvrir ensemble et s'il possible pour nous évoluer ensemble. Merci beaucoup. Moi, merci Naomi. Et journée aujourd'hui, nous allons discuter de crypto-monnaie. Mais qui est crypto-monnaie? Qui est Bitcoin? Qui est Ethereum? Ça, c'est des langages pratiquement chinois pour un pile monde qui a regardé là. Et pourtant, c'est un langage qui est excessivement important parce que c'est non seulement le présent, mais c'est le futur du monde entier. Donc, il est important pour que tout le monde comprenne. Là, par exemple, tout le monde a dit, oh, même quoi là moi et a parlé de politique même pas oublier que moi démissionné comme premier ministre et m'étais premier ministre pendant 2 ans et demi même t'es un entrepreneur depuis 30 ans donc nous pral gagner pour parler de côté ça de côté entrepreneuriat et de côté éducation nous pral gagner pour parler de méthode pour nous mieux comprendre pour j'aime d'ab dit là pour éviter les incompréhensions et pour nous comprendre tout l'importance de la technologie, l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de la ça veut dire les crypto-monnaies. Donc, l'autre par exemple, nous allons commencer par le commencement. Qui est Bitcoin? Ok, donc là nous avons 2 invités de marque, ok, qui c'est Monsieur Nicolas Placide et Monsieur Gardi Dodier, qui eux-mêmes c'est 2 jeunes Haïtiens qui ont évolué dans le secteur. Qui fait des bagailles qui extraordinaire OK que en pile monde pas même réaliser pas même connait même donc moi te voulais commencer par que yo partager connaissance expérience avec nous parce que moi même les m'a parlé avec eux chaque fois m'a parlé avec eux m'a apprendre de expérience de savoir de connaissance de ça réussi accompli et en termes d'entrepreneur technologique. Et donc, je vais quitter yo même présenter tête yo. Je vais commencer avec Gardi. Gardi, vous êtes capable de faire un aperçu de qui est souillé, et qui sont fait, parce que l'important pour qu'on ait qui sont fait. OK. I mean, moi remercie nous tous, moi remercie tout le monde qui branché show, moi remercie tout le monde qui a regardé show et ou même principalement Laurent. Alors moi c'est Jean-Gardi Dodier, moi sorti Haïti, m'a vive Miami kounya, ça fait 5 ans de cela. And Haïti moi t'ai travaillé dans la télévision en tant que réalisateur, graphic designer et puis infographiste aussi. Et qu'on y a mon traversé bon ici et moi-même son monde qui toujours adapté avec cours de la vie j'ai envie à évoluer c'est comme ça moi-même essayer adapter ensemble avec lui so l'aime venir moi adapter ensemble avec culture américaine là et ensuite moi venir adapter avec technologie à côté de venir découvrir Bitcoin et moi j'ai trouvé là c'est intéressant et du coup moi commencé faire des recherches et jeudi à nous venir arriver non côté nous gain connaissance qui puis avancer sous domaine crypto monnaie crypto currency et
nous avons réalisé un crypto peut-être pas nous qui est le Citadel. Donc vous faites propre crypto par bon nous allons répondre tout sur ça et tout à l'heure. Et je suis un peu le monde qui est très intéressé dans ça. Et donc, Gadi fait propre crypto monnaie PAL qui est le de Citadel et nous allons comprendre pour qui ça lui fait li, et puis qui ça que crypto monnaie à lui-même ça capable de porter pour le monde entier en général. Et très certainement pour le monde qui vit dans les Caraïbes ou bien en Afrique ou bien en Haïti, dans n'importe quel pays au monde. Et donc, Nicolas Placide, son autre jeune entrepreneur haïtien qui lui-même a évolué dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, parlez-nous de où, et Nicolas, nous connaissons depuis plusieurs années déjà, et moi suis l'évolution, et je suis très surpris pour m'apprendre. Et bien, Jean ou dominé domaine ça, qui c'est le domaine crypto. Donc, parlez-nous de où et de l'expérience et de ceux qui sont à travail. Oui, donc, les Laurent dit jeune, je ne sais pas fait partie de Timon Tabugard, parce que. Et je ne sais pas si je suis jeune. En Haïti, 65 ans, ils sont jeunes liés. En tout cas, moi, c'est Nicolas Placide, comme Laurent dit, nous, et nous sommes ingénieurs informatiques. J'ai gagné plus de 25 ans depuis ma écrit programme. Donc, tout langage C, C++, C Sharp, Objective-C. La question de bail pour iOS, je fais mobile development. And then, moi, tu fais blockchain development. Je suis un développeur. La blockchain, moi, programme la Solidity pour Ethereum platform. And moi, programme la Rust pour Solana platform. So, qu'on y a là, je un projet. As a fait, ça dit depuis le Laurent était premier ministre de Gombe comme tu parlais avec les questions de bagaille NFT donc si ou aucune idée donc ça veut dire ou ka konn depuis qui le que moi même moi dans domaine ça parce que à l'époque le Laurent était premier ministre mon pote commence à parler de bagaille blockchain mon pote connait question de bagaille NFT you know l'aime te parler bagaille ça Laurent pour comprendre ça me dire c'est qu'on y a bagaille commence à paraître puis mon commence à parler de mon commence à comprendre. But moi commencé programmer la Solidity pour Ethereum depuis pratiquement la Solidity par exemple en 2016 et donc j'ai un pile disons connaissance dans le domaine là et qu'on y a travaillé avec mon équipe nous avons une plateforme qu'on a développé qui gagne non seulement crypto monnaie là dans les but gagne un DAO et puis on DeFi platform complete DeFi platform qui gagne insurance avec un conseil de l'autre bail qui entre là-dedans. Donc, ce n'est pas juste une crypto-monnaie, c'est tout un écosystème qu'on a développé. Bon, ça montre que quand même, il y a des Haïtiens qui ont fait des bails sérieux. Et bon, mais là, on va faire un petit bac parce que là, ouais, on a parlé de DeFi, on a parlé de NFT. Ça, encore une fois, c'est probablement chinois pour un pile monde qui a gardé l'émission. On va aller de manière beaucoup plus élémentaire. Pour demander qui c'est Bitcoin, qui c'est Bitcoin, non? Ok, Bitcoin c'est pratiquement c'est premier crypto monnaie décentralisée et qui vient exister. Et là nous voyons que jusqu'à quelques semaines de ça, il était dépassé plus que 66 000 $ pour un Bitcoin, il était un taux historique. Et nous voyons que il était commencé à moins que un dollar, qu'on y a 66 000 $ pour un Bitcoin. Donc il y a un pile monde qui bien mené en bas ça. Et il y a 13 ans depuis que crypto et Bitcoin a créé. Et c'est ça qui fait particularité. Et c'est ça qui crée tout appétit dans l'investisseur. Particulièrement au monde d'un coup Elon Musk, que tout le monde connaît. Et un pile monde